Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est vraiment un plaisir de vous avoir et de vous retrouver en ce dimanche soir, petite édition dominicale tardive après une journée de travail assez fantastique et formidable. J'ai eu la visite de quelques abonnés, dont Frédéric, que je tiens à saluer, qui est venu me voir le premier, le matin, très tôt. Un chic type, courageux, man, quelqu'un de formidable. Que je salue publiquement, Frédéric. Merci de ta visite, mon chum. Joyeux Noël, bonne année, lâche pas. On est toutes là, toutes pour la même chose, être en paix avec soi-même. Je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie. Tu peux accomplir plein de choses hein, au niveau professionnel, au niveau familial. Tu penses que tu accomplis des choses, hein? Parce que toujours une impression qu'on a d'accomplissement, parce qu'on ne sait pas c'est quoi accomplir quelque chose. Hein? Pour nous, ça peut être quelque chose de grand, d'important. Pour d'autres, ça peut être insignifiant. Mais l'important, le plus important, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, peu importe qui tu es dans la vie, c'est d'être en paix, en harmonie avec toi, ce qui t'entoure. Puis ce qui nous entoure, c'est pas vide. Puis je vais y revenir cette semaine parce que c'est trop important. Notre Créateur, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a rien qui peut égaler ça. D'être en harmonie entre toi, tout ce qui est autour, qui nous entoure, hein, qu'on pense, qu'on a pensé à tort, et les scientifiques aussi, que c'était vide, et c'est pas vide, on est tous interconnectés. On est tous là, ensemble, à vibrer au diapason, qu'on le veuille ou non, sans que tu le saches. Il y a une mémoire là-dedans, en plus, comme notre cœur aussi, une mémoire, on a appris ça, la science nous apprend qu'il y a une quarantaine de milliers de cellules qui sont des cellules cardiaques du cœur, qui ont une mémoire. Le cœur produit plus d'électromagnétisme, d'énergie que le cerveau. 5000 fois plus, les électrocardiogrammes, les encéphalogrammes le prouvent. Et c'est phénoménal que la science confirme tout ça. Parce qu'on est tous, moi je suis tout petit, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il y a quelque chose de plus grand. Mais hein, on a été éduqués, on a été élevés, on a eu les informations, puis les connaissances qu'on avait à l'époque, qui ont souvent été basées sur des fausses présomptions. Et que ce n'est pas debout. Comme par exemple le fait de nous avoir dit pendant longtemps, puis la science encore vient confirmer que c'est pas vrai, qu'on descend pas du singe, qu'on descend pas du néandertal. L'ADN ne correspond, mais tout simplement pas, notre ADN avec l'ADN de cette espèce néandertale. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 200 000 ans, mais nous autres, on ne vient pas, on n'a aucun lien avec le Néandertal. Donc, mais c'est toutes des présomptions qu'on avait, on est parti là-dedans, on est parti avec la science dans cette direction-là, hein, jusqu'à ce que la science soit capable de prouver le contraire avec la technologie qu'on a, les outils qu'on a maintenant. Puis l'important dans la vie, c'est la politique, c'est rien, c'est un spectacle vide de sens, qui est là juste pour garder les pharaons en position de pouvoir, comme depuis le début de cette aventure d'organisation sociale et civile. La politique, c'est un amusement public qui ne nous sert pas. C'est pas important. La famille, c'est important. Les êtres qui nous entourent sont importants. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on est tous dans un grand voyage, puis qu'on a toutes les mêmes étapes à franchir, qu'on a toutes les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses, hein? Les mêmes questionnements, mais on a les mêmes réponses maintenant, puis ça devrait amener l'humanité à un autre niveau éventuellement, espérons-le. Puis c'est un message d'espoir que toute cette science-là nous amène, que j'essaye de vous partager, parce qu'il y a beaucoup de ça qui se passe dans la langue de Shakespeare. Puis je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés, de mes compatriotes, puis de mes cousins français, américains, qui
parle pas l'anglais, puis c'est correct. Tu n'es pas obligé de parler l'anglais non plus, mais si tu peux le parler, tant mieux. Mais moi, ça me fait un plaisir de vous partager ces informations-là qui viennent de gens tellement crédibles, tellement importants, tellement positifs, tellement sérieux, parce que c'est des scientifiques. Puis moi, je vous amène ça. Moi, j'invente rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai fait mon cheminement, j'ai fait mes recherches, j'avais mes convictions. Puis maintenant, on peut les mettre plus clairement en mots, puis comprendre un peu plus ce qui se passe. Il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui était fait au hasard. Pas. Encore là, c'est une autre présomption qu'on avait, que la science avait, mais il n'y a rien qui était fait au hasard. Tout est interconnecté, tout a une mémoire. Puis je rentrerai dans d'autres détails que j'ai découverts via ces gens-là, très calés. C'est tout le monde sérieux, là. Pas des deux de pique, comme on dit par chez nous. Que tout a une mémoire. C'est fascinant. Donc, c'est vraiment plus important que la politique, la partisanerie, puis bon, que tout ce que tu peux imaginer. Puis on a tous les mêmes questionnements, tous les mêmes cheminements à faire. Chacun le fait à son rythme. Mais on aura toutes les mêmes étapes à franchir. Puis on aura toute la même fatalité à affronter. Comment on sera face à ce moment-là? Ça, c'est un mystère, mais si tu t'équipes pour faire face à ça, mon chum, puis ma fille, je peux te dire une chose. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Puis tu vas aller loin, dans l'autre rive. Parce qu'il y en a une autre rive. Qui est... Il y a quelque chose de l'autre côté de la rive. Là. C'est pas le vide. Parce qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide nulle part. La science nous dit qu'il n'y a pas de vide. C'est une bonne nouvelle, ça. Joyeux Noël, bonne année. Puis je vous reviens avec une tempête apparemment solaire qui s'en vient pour Noël, justement. Mais il fallait que je vous partage ça parce que c'est Frédéric qui m'a inspiré. Puis je veux le saluer, puis le remercier d'être venu me visiter. C'est vraiment formidable parce que c'est à moi qui a fait plaisir, dans le fond. C'est sa visite qui m'a fait plaisir. Puis j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Bougez pas.